Bonjour à tous, ici Lamine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le lore et l'histoire de... La vidéo d'aujourd'hui sera dédiée à Crying Wolf, la tireuse d'élite de l'unité Beauty and the Beast, au passé tragique, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique et exprimant sa tristesse au combat par ses pleurs éternels. Allez, sans plus attendre, c'est parti! B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Crying Wolf. She runs on four legs. Wolf, you got it. Crying Wolf est né en Afrique très certainement dans les années 80 ou 90. Son pays était à l'époque dévasté par la guerre au nom du nettoyage ethnique. Quand son village natal a été attaqué par une faction rivale à celle de son pays, ses parents et ses frères et sœurs ont été massacrés, faisant de la jeune fille une réfugiée. En s'échappant, elle ne put sauver que son dernier frère vivant, encore bébé, avant de quitter son village. Un jour, les deux tombèrent sur une unité ennemie, ce qui les obligea à se cacher dans une cabane abandonnée. Malheureusement pour Wolf, son petit frère s'est mis à pleurer. Elle savait que si les soldats entendaient ses cris, ils les trouveraient et les tueraient tous les deux. Alors, elle a couvert ses cris en serrant ses mains aussi fort que possible autour de sa bouche. Ce n'est qu'après le départ des soldats qu'elle reprit ses esprits et remarqua que son frère ne pleurait plus. En retirant ses mains, elle vit qu'il avait cessé de respirer. Wolf avait accidentellement étouffé son propre petit frère et dernier membre de sa famille. Horrifiée, elle se rendit au cœur de la bataille, portant dans ses bras le corps sans vie de son frère. Peu après, elle commença à avoir des visions d'un loup marchant à ses côtés. Chaque nuit, ce loup hurlait et pleurait tout comme son frère le faisait. Les jours passèrent, et à force de fuir, elle finit par atteindre un camp de réfugiés géré par le gouvernement de son pays, portant toujours le cadavre en décomposition de son frère. Le camp était bondé de réfugiés comme elle, et de petits-enfants comme son frère. Jour et nuit, elle sera tourmentée par les cris et les pleurs des bébés. Elle se mit alors à avoir de nouveau des visions de ce loup qui se frayait un chemin dans le camp pour faire taire les enfants un à un à jamais. Elle essaya de l'arrêter, mais elle était tout simplement impuissante face à lui. Quelques jours plus tard, il n'y avait plus un seul enfant vivant sur place. Il se trouve en fait qu'il n'y avait jamais eu aucun loup dans ce camp. Il s'agissait en réalité d'une hallucination créée par son esprit endommagé. C'était bien elle qui avait assassiné un à un tous les enfants du camp en hurlant comme un loup. Cependant, elle ne pouvait pas se l'admettre à elle-même, croyant toujours que c'était le loup qui avait tué les enfants et non elle. Probablement au début des années 2010, en entendant parler d'une femme aux capacités meurtrières intéressantes, c'est Liquido Slot lui-même qui proposera à la jeune africaine de rejoindre son unité Beauty and the Beast, lui promettant que si elle tuait Solid Snake, elle ferait enfin taire ses démons intérieurs. Certainement manipulée par Liquido Slot, elle accepte sa proposition et se voit équipée d'une combinaison scellée et d'un casque muni d'une lentille de balayage au niveau de son œil droit. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle reçoit également une armure quadrupède quasi indestructible qui lui confère une force physique monumentale ainsi qu'une vitesse et une agilité hors normes. Enfin, pour l'armement, elle s'est vue confier un énorme railgun dont la technologie a été fournie par Vemp qui a pu récupérer celui qu'utilisait Fortune lors de l'incident de la Big Chain. C'est en rejoignant l'unité Beauty and the Beast que la femme reçut le nom de code Crying Wolf. Dans son armure, Wolf pouvait laisser le loup en elle ainsi que sa tristesse s'exprimer sans limite, ne se dévoilant que pour tirer avec son railgun. En
En 2014, Crying Wolf et son unité Beauty and the Beast ont été déployés au Moyen-Orient et ont pris part à une guerre entre une milice locale et la société militaire privée, ou PMC, Praying Mantis, qui fait partie d'Outer Heaven, l'organisation dirigée par Liquid Ocelot. Un peu plus tard, la jeune femme, accompagnée de ses Haven Troopers, rencontrera Solid Snake lors de son retour sur l'île de Shadow Moses. Pour info, les Haven Troopers sont des femmes soldats d'élite qui accompagnent l'unité Beauty and the Beast. Wolf et Snake s'affronteront donc dans le champ de neige près des tours de communication, où Snake avait combattu Sniper Wolf pendant l'incident de Shadow Moses en 2005. Les deux combattant en plein blizzard, on apprend que Wolf est capable de repérer Snake avec son odorat sur une très grande distance grâce à des capteurs olfactifs installés sur son armure. Celle-ci est également impossible à détecter avec une vision thermique car une fois dans son armure, elle n'émet aucune chaleur. Cependant, le point faible de Crying Wolf résidait dans le fait qu'elle devait ouvrir partiellement son armure pour pouvoir utiliser son railgun et s'exposait donc au feu ennemi. En utilisant le blizzard, le terrain et les pleurs de Wolf à son avantage, Snake éliminera les Haven Troopers et viendra à bout de Crying Wolf, la forçant à quitter son armure. Gravement blessé, Wolf se mit une nouvelle fois à entendre les cris de son frère avant que le loup de ses visions ne réapparaisse. D'une dernière balle, Snake en finira définitivement avec Wolf, qui mourra en position fœtale avant d'être emmené au loin par un chien loup. Voilà tout pour l'histoire de Crying Wolf, une jeune femme ravagée par les traumatismes extrêmes qu'elle a subis. Sa folie meurtrière se manifestait par des pleurs constants et des cris de loup sur le champ de bataille. On notera que d'après Otacon, lorsqu'elle était gravement blessée et qu'elle était dépourvue de toute armure, Crying Wolf pouvait enflammer ses ennemis rien qu'en les touchant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, un petit like ou un petit commentaire serait très apprécié. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne, ça se passe sur ma page Tipeee dont le lien est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo lore de Metal Gear. Peace.